sommes ici à la Village en Charles. Je suis venu pour appuyer les demandes des locataires face aux bailleurs, France Habitation. Un certain nombre de demandes qui existent depuis un certain temps sur des questions d'entretien courant, quotidien, de dégradation de la résidence, de sécurité aussi. Mon directeur de cabinet était venu voir, faire le tour avec des locataires sur les différents aménagements à trouver. On a saisi France Habitation d'une liste précise. J'ai organisé moi une réunion publique avec les locataires et des représentants de France Habitation pour avancer sur la question. Et puis, comme on trouve que les choses n'avancent pas assez vite, j'ai provoqué une visite aujourd'hui sur le terrain avec les locataires qui étaient là, avec un représentant de France Habitation qui a annoncé un certain nombre de nouvelles importantes, notamment la décision qui a été prise par eux-mêmes de faire tout le ravalement de toute la résidence. Là aussi, un de ces quatre pâtés, il va se casser, regarde. Regarde, là. Ouais, ouais. On a commencé en 2012 à refaire toutes les terrasses, l'isolation des terrasses, puisque là on avait des infiltrations. Donc on a commencé, en fait, le programme France Habitation, quelles que soient les résidences ou les villes, on commence par tout le couvert. Ouais. Et après on se rend compte, si on a des problèmes de façade, d'étanchéité, c'est le plus important. Alors là, il y avait une dame dans la dernière réunion qui avait des fuites importantes dans son appartement qui était au dernier étage. Oui, voilà. L'eau elle rentre. Il a plu et là l'eau rentre. Donc ça c'est une intervention à faire voir. Ça a été signalé, ça? Oui. Et vous n'avez pas eu de retour, c'est ça? Non. Alors techniquement, comment vous voyez ça? Parce que quand il y a des signalements comme ça... Bah oui. En fait, le fonctionnement France Habitation, vous le connaissez, on a un manager de proximité qui s'appelle Rachid, qui elle gère effectivement le quotidien, ce qu'on appelle les fuites, l'entretien, etc. Ouais. Et la phase, moi particulièrement, pour les gros travaux. Je pense que ce qu'ils attendent vraiment, c'est effectivement d'avoir une visibilité et sur les gros travaux, et sur les problèmes plus menus, mais enfin qui sont quand même des vrais problèmes de la vie quotidienne qui leur pourrissent la vie. Donc moi je veux bien, mais c'est dégoûtant quoi. Vivre avec les traces d'urine alors que vous payez des sociétés de ménage, non. Moi je pense que ce qui pose vraiment problème, c'est le suivi au quotidien de ces problèmes-là. C'est le petit entretien qui agace. Alors aujourd'hui on a eu la visite de monsieur le maire avec monsieur Lièvre, qui est venu justement sur le site pour constater tous les problèmes que l'on rencontre. On a eu une réunion, ça fait pas longtemps, avec le bailleur, etc. Et on a senti que... Il y a d'espoir, grâce à monsieur le maire. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que les choses se fassent toutes seules et qu'il y ait une relation fluide entre locataires et bailleurs. Quand il y a des incompréhensions, des travaux non faits, des dégradations, on intervient. Et parce qu'on pèse d'un certain poids, la mairie d'Asnières pèse d'un certain poids, moi en tant que maire aussi. Et donc c'est dans cette optique-là qu'on peut leur être utile et qu'on le fait bien volontiers.